Le deuxième événement, c'est l'obligation de l'étoile jaune. Vous avez juif sur les pièces, sur la pièce d'identité. Vous avez l'interdiction d'aller faire vos courses au moment où les magasins sont pratiquement ouverts. C'était interdit. On vous humilie en vous obligeant d'aller dans le dernier wagon du métro. On vous interdit d'aller au spectacle. On vous interdit de travailler dans l'administration, toutes les administrations, de quelque nature qu'elles soient. Les juifs n'y ont pas droit. Et même, je crois, d'enseigner. Tous ces interdits arrivent à ce moment-là, avant le Veldiv, qui est un tournant aussi de ma vie. Donc vous pouvez imaginer quand même, essayer d'imaginer. On va décréter demain que vous devez porter un insigne sur la poitrine. Moi, je suis né en France, je suis né français. D'après les lois françaises aussi, je suis français, depuis l'avant-guerre. Et donc, vous comprenez, ça crée des conditions difficiles à accepter pour un être humain. Pour pas. Enfin, je parle en mon nom personnel. Très difficile. Sont des raisons même de mon engagement. Ce refus d'accepter cette organisation antisémite. Puis alors, le bouquet arrive.